Brian Kaninda, 4 ans d'âge, souffre du cancer de l'œil depuis plusieurs mois. Plus le temps passe, plus sa situation sanitaire se détériore davantage. Sur cette zone élevée du quartier Plateau 3, les larmes de cette dame ne quittent pas son visage depuis 8 mois. Jour et nuit, elle ne cesse de regarder impuissamment son enfant dont l'état de santé devient très préoccupant. Ce qui la bat encore, c'est son incapacité à mobiliser les fonds pour financer les soins de son enfant. Un calvaire qui nourrit également la cécité qui frappe déjà Brian Kaninda. $2,500 plus la madawa, il fera tout 3 000. C'est 2 500. Il y a opération, madawa, $500, c'est que 3 000. Maintenant, mes richindaka, jomina kudia, mine kala. Juste tout na tafuta makuta, rinchora muto tori kunenda kwa Kievi. Après, na kichwa kinanza tena kumuvimba, kama muna mwangaria kichwa kinavimba, anakuwa deformé. Abandonnée par son mari, Anne Niemba se bat seule contre une maladie qui ne cesse de ronger son enfant. Mais sans argent, l'espoir de voir le cancer quitter son enfant est faible, surtout que sa progression sur le corps devient très rapide. Bonsoir.